Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Et je profite de cette petite vidéo pour vous faire un retour sur deux articles que j'ai reçus en partenariat avec la boutique One Day Saving, donc dans le dernier colis, colis numéro 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, il y avait la toile avec l'hippocampe en partiel diamants spéciaux. Donc j'ai terminé cette toile. Et franchement, j'en suis super contente. Voici le résultat. Elle est vraiment superbe. Les diamants, franchement, il n'y a pas beaucoup de petits diamants. Il y a exclusivement des grosses strass et du coup, enfin moyens et grands. Et du coup, franchement, ça a été super agréable à faire. En plus, vous voyez, les couleurs sont quand même vraiment très jolies. Donc, je suis vraiment très contente. J'ai vraiment adoré la réaliser. Il n'y a eu aucun souci. J'ai eu aucun souci de diamants. J'ai des restants pour toutes les formes de diamants. Il y avait 16 formes et couleurs de strass différents. Et il m'en reste de tous. Hein, donc, vraiment aucun problème. Pas de problème au niveau de la colle de la toile. Hein, ça colle très, très bien. Il n'y a pas de diamants qui s'en vont. Et je vous dis, ça a été vraiment un réel plaisir à faire. Donc, si elle vous plaît, n'hésitez pas. Franchement, elle est vraiment géniale. En plus, bah, comme je vous l'avais précisé dans la dernière vidéo, donc dans la vidéo unboxing, il y a deux autres couleurs de cette toile. Donc là, moi, j'ai l'hippocampe bleu sur fond jaune, mais il y a encore deux autres couleurs de disponibles. Donc, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Hein. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, un réel plaisir à faire. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Hop, ensuite, je voulais aussi profiter de vous montrer donc ce que ça donne au niveau du classeur avec les pochettes à diamants. Donc, je vous avais dit, moi, je l'ai pris exclusivement pour pouvoir mettre mes diamants AB, pour les avoir à portée de main quand je fais mes toiles, pour pouvoir, si j'ai l'envie et le besoin, ou voilà, que j'ai envie d'échanger des diamants basiques avec des diamants AB, je voulais avoir mon petit classeur à proximité pour pouvoir feuilleter les intercalaires et voir si j'ai des DMC qui correspondent avec les diamants d'origine qui sont sur la toile que je serai en train de faire. Et du coup, j'en suis super contente. Franchement, il est super bien ce classeur. Donc du coup, bah moi j'ai rangé dedans, j'ai rangé mes diamants phosphorescents, mes diamants AB rond et mes diamants AB carré. Donc hop, voilà ce que ça donne. Hop, donc sur la première page, j'ai mis mes diamants phosphorescents. Hop, après donc j'ai mis mes AB rond. Et vous voyez, franchement, c'est super bien placé. Moi, j'adore. Et après, bah, j'ai mes AB carrés. Voilà, je les ai rangés dans l'ordre de DMC pour être tranquille. Et d'ailleurs, ça m'a permis de voir que j'en avais un peu plus que ce que je pensais des diamants AB. Puisque du coup, j'ai quasiment fini les intercalaires. Il m'en reste plus qu'une. Une de complète de dispo. Et puis là, j'ai encore trois emplacements dans celui-là. Donc, mais bon, ça m'a suffi du coup. Hein, donc franchement, top du top. Mais vraiment, j'adore. C'est vraiment super qualité et super pratique. En plus, il n'est pas très grand. Donc, comme je vous disais, je peux le garder à portée de main sur mon bureau. Et quand je fais une toile, bah, je peux regarder si j'ai des DMC en AB correspondant à ma toile pour pouvoir modifier quelques diamants et du coup rendre un petit peu plus brillante la toile que je suis en train de faire. Donc vraiment, bah, j'en suis très très contente. Je pense que j'en prendrai d'autres parce qu'il y a 6 couleurs en tout. Donc moi là, j'ai la couleur violette. Je vous avais dit rose la dernière fois, mais en fait, c'est pas le rose, c'est le violet celui-là. Et il y en a encore 5 autres couleurs. Donc franchement, vu que ça se remplit quand même vite, hein, moi j'ai pas mal du coup de diamants AB, je pensais en avoir moins. Mais du coup, il est déjà plein. Donc, et comme j'ai encore plein d'autres toiles avec des diamants AB à faire, bah, je me dis que je vais vite manquer de place. Donc à mon avis, c'est des classeurs que vous reverrez passer dans mes prochains unboxings parce qu'ils sont vraiment de super qualité. Donc là, bah, écoutez, moi je remercie énormément la boutique One Day Saving de m'avoir permis de tester ces deux articles-là, plus les autres. Hein, j'ai encore le marque-page à faire. Et puis, je vous ferai un petit retour sur les pinces que j'ai eues.
Après, j'avais quoi? J'avais j'ai aussi le pourtour diamant pour mettre autour d'une toile pour faire effet cadre que j'ai pas encore utilisé. Et et puis bah les carrés de mince de hop les carrés de papier glacé, hein, mais ça. Je pense pas que je vous ferai une vidéo particulière là-dessus, hein, puisque voilà, vous le savez, c'est juste pour remplacer les papiers transparents. Donc vous enlevez le papier transparent, vous collez vos rectangles de papier glacé à la place, et puis voilà, le tour est joué, quoi, hein, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, je vous remets le code promo en barre d'infos si vous voulez passer une petite commande dans la boutique One Day Saving. En tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, j'en suis à mon 8e colis partenariat et j'ai vraiment, pour le moment, jamais eu aucun souci avec les articles et avec la boutique. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bisous les petits loups!